J'espère que vous allez bien, en tout cas. Moi, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, je vous ai refait encore un maquillage jour, simple à porter pour tous les jours. Donc, si ça vous intéresse, regardez la suite. Et je vous dis à bientôt, les filles. Bisous. Donc, voilà, les filles, j'ai déjà commencé mon teint. Comme ça ira plus vite pour la vidéo, que ça ne dure pas non plus 3 éternités. Donc quand j'ai fait mon teint, j'ai utilisé le fond de teint, donc toujours celui-là que j'utilise, L'Oréal Infaillible, donc de la couleur 150 beige éclat. Donc voilà, celui-là je vous le conseille, il tient vraiment beaucoup de temps, c'est sur longue tenue et il est non comédogène. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait mon correcteur donc, de chez Emma. Donc, on peut le retrouver facilement chez Emma. Voilà. Y a pas de... C'est la couleur 1. Oh, purée, cette voiture! Excusez-moi. Après, j'ai poudré le tout donc avec toujours ma poudre de chez Lancôme, poudre majeure excellente. De la pêche dorée, le numéro 4. Donc voilà. Maintenant, c'est le chien qui va. Allez, vas-y. Bon, excusez-moi pour tout ça. Hein. Donc, voilà, je suis là. Maintenant, je vais passer donc aux yeux. Pour passer aux yeux, je vais utiliser ma palette nude. Donc, comme ça. Donc, c'est la même chose que hier. C'est dans ma vidéo précédente. Vous retrouverez donc le site où je l'ai acheté, mais je vais quand même vous le mettre juste ici. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir et l'acheter si vous en avez envie. Donc, on passe aux yeux. Donc, comme toujours, je vais utiliser mon primer de chez ELF, le Pearl. Comme ça. Pour justement donner de l'éclat à mon maquillage. Cette fois-ci, je vais juste en mettre ici et je ne vais pas remonter. Voilà. Ensuite, je vais utiliser mon pinceau donc de chez Makeup Forever, le 10S. Et je vais utiliser comme couleur. Oups. Là. Donc, c'est un nude rose, dans les tons rose, rose-orange. Et je vais l'appliquer. Donc oui, on voit pas la couleur, c'est normal vu que c'est la couleur de la peau. Ensuite, je vais utiliser le blanc qui est juste là. Et je passe au-dessus. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon pinceau. Comme ça. Donc, mon pinceau Frôlène. De la palette Frôlène que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, de nouveau, je vous mettrai juste le lien juste ici pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc, je vais prendre comme couleur celui-là. C'est un espèce de marron glacé.
trop tapoter. C'est très naturel, hein. Je veux pas que ça se voit vraiment. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais estomper avec mon pinceau estompeur. Voilà, c'est naturel. Je vais quand même Ensuite, mettre ici un coin lumière, donc pour ça je vais utiliser mon pinceau LF Airbrush. Voilà, donc je reprends le blanc de la contour, hein. Et je viens ici pour illuminer justement. Donc ensuite je passe à l'eyeliner. Moi je vais utiliser l'eyeliner de chez Estée Lauder. Donc il est déjà bien entamé. Hop. Voilà. Je vais utiliser le noir. Moi je l'utilise avec le pinceau qui est à l'intérieur, donc de chez Estée Lauder. Comme ça, tout simplement parce que j'aime bien cette brosse. Et que pour moi, j'ai facile à travailler avec. Il faut prendre de l'eau pour pouvoir prélever de la matière. Donc, mon eau est dans ceci. Je prélève. Je mets mon pinceau dans l'eau. Hop. Et comme ceci. Je vais prélever de la matière. Voilà. Donc, pour commencer l'eyeliner, on va commencer par le milieu. Donc, on va aller au milieu. Et puis, on va vers la fin, vers l'externe. Ce sera plus facile. Et puis, après, vous pouvez commencer l'interne seulement. On y va. Vous voyez, je suis au milieu. Je vais petit à petit vers l'arrière. Après, la pointe, vous la faites comme vous voulez, hein. Moi, je la fais plutôt discrète. Je vais reprendre la matière parce qu'il n'y en a déjà plus. Donc, je la fais discrète et en pointe. Et alors maintenant, vous allez petit à petit vers l'interne de l'œil. Et voilà. Votre œil est fait. Bon, après, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien quand c'est plus ou moins, on va dire, épais à la fin. Mais après, vous pouvez jouer avec le trait d'eyeliner. Vous pouvez le faire plus petit, plus fin, plus gros encore. C'est comme vous voulez. Mais bon, moi, je vous apprends juste, on va dire, la technique. Donc, voilà. Le but, c'est que au coin externe, ce soit très 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 fin. Ce soit pas gros comme l'externe. Hein. Ça, c'est le but de l'eyeliner. Sinon, ça va être moche pour avoir un regard étiré et un œil de biche. Donc, si vous faites gros ici, ça va tout casser quoi. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous aimez bien, vous aimez bien. Mais je vous le dis juste, c'est tout. Voilà! Après, si jamais vous êtes débutante et que vous avez raté, pas de problème.
Vous prenez un coton-tige, vous le mouillez et vous repassez juste un petit peu au-dessus du trait pour faire justement un trait net et précis. Donc après je passe au mascara. Oui, j'ai oublié de vous dire, le mascara donc c'est de chez Rimmel London, c'est le Scandal Volume Flash. Voilà, donc vous pouvez le retrouver dans toutes les surfaces. Ensuite, je vais faire mon sourcil. Donc, c'est le Color Naturel de chez Yves Rocher avec le petit goupillon de la teinte la plus claire. Je commence. Je fais ma tête. Dans le ménage, ces voitures, c'est pas possible. Oh. Quand je vais faire une vidéo, il y a toujours quelque chose, hein. C'est pas possible. Donc voilà. Oh, les sourcils. Je vais faire le deuxième. Voilà. Donc mon regard est fait. Donc voilà, ensuite on va passer donc au teint de nouveau. Je vais faire mon contouring. Donc j'utilise toujours ma terre indienne chez Je m'aime Maybelline la plus foncée. Avec mon pinceau de chez Make Up For Ever, le 24S. Et je viens faire le contouring. Donc pour celles qui ne savent pas, le contouring c'est pour aider à corriger le visage. Donc notamment pour creuser plus les joues, pour corriger le menton et pour cacher si vous avez un grand front ou quoi, ici avec le foncé. Donc je prends, je fais toujours, pour celles qui ne connaissent pas, le... Comment on dit le poisson. Enfin, le poisson. Et alors là, vous aider du creux qui va se faire. Et on vient appliquer le blush. Le correcteur foncé. Vous voyez, après il y a un coup, il y a un creux ici qui se fait naturellement, que là il n'y a pas forcément. Je fais la même chose de l'autre côté. Pas faire le bas moi, pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc après je viens fondre le tout avec mon pinceau de chez Guerlain. Pour pas laisser de traces ou que ça fasse naturel en fait, parce que c'est ça qu'on recherche, hein. Qu'on ressemble pas à un clown. Mm.
tout est fondu. Donc après, je vais passer au blush. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à cliquer ici pour savoir où je l'ai acheté, combien, etc. Donc aujourd'hui, je vais prendre celui-là. C'est un orange-rose comme ça, foncé. Donc je vais prendre mon pinceau Jean-Marin. Voilà, donc une fois appliqué, nous allons passer au premier rouge à lèvres. Je vais utiliser toujours un de chez ELF. Celui-là, c'est le Flirtatious. Donc voilà, qui est un orange-rose assez flash. Vous pouvez le voir. Tout simplement parce que ça va bien avec le maquillage que j'ai en ce moment. Donc je l'applique. Voilà. Il n'est pas si flash sur les lèvres portées même. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Évidemment, là, il y a un putain de camion qui passe. J'en peux plus de cette ville de merde. Bon, bref. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à aimer ma vidéo. Ou bien encore à commenter pour savoir ce que vous en pensez. Donc merci aux nouvelles abonnées qui se sont abonnées récemment. Je vous en remercie du fond du cœur. Et je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine les filles. Bisous.